Salut à tous, c'est Cucu et je vous retrouve pour la suite de The Legend of Zelda Link Awakening. On vient d'ouvrir la coquille du poisson rêve et on s'est retrouvé dans un donjon. Mais vu que j'ai pas envie de terminer ce jeu maintenant, et ben on va pas y aller maintenant. Parce qu'il me reste plein de trucs à faire. Entre autres, renettoyer des trucs où j'étais rentré dedans. Parce que si ça se trouve, j'ai loupé des trucs. Genre des coquillages. Mais a priori, non, c'était pas le cas. On va dire que tout est bien qui finit bien. Enfin, si, il manque des coquillages, c'est sûr, mais où? Ça, c'est la vraie question. Il y a toujours ça aussi qui m'intrigue toujours autant. A priori, il y aurait un point de TP ici. Chez Monique, la lunatique. Oui, d'accord, mais... Merci Monique. Faudrait que je re-explore tout. Toi, tu servais à quoi, mamie? Je suis sûr que dans le village des hommes bêtes, j'ai encore des trucs à faire. Merci. Ah oui, il y avait des conques dans des maisons, mais comment j'atteignais ces... Enfin, des conques. Je me souviens que dans le village des animaux, ça a pas bipé, donc a priori y a rien. C'est où le village des animaux déjà? Je me souviens plus, j'y étais allé là-bas du coup. Hein. Alors le mini-jeu, je l'avais fait. Ah, toi tu vénères les grenouilles, est-ce que ça fait quelque chose si je fais cette musique ici? Parce que là-dessous il y avait bien ça. Je crois pas qu'il y avait autre chose hein, là-dedans, à part ce qu'on était venu chercher. Quoi?
sous mes pieds. Tu m'as menti, Hibou. Tu es un menteur et j'aime pas les menteurs. Oui, là-haut. Mais comment je vais là-haut? Je me souviens qu'ici c'est bipé. Je me souviens aussi que je ne me souvenais plus comment y aller. Ici, ça bipait pas, du coup, c'était sûrement pas par là. La logique voudrait que ce soit par là, mais... Je me souviens pas avoir vu un chemin pour y aller. Alors, je suis aveugle ou... Je crois qu'il faut que je change mes lunettes. Hein. Ou alors que j'en achète parce que j'en ai pas. Comment je passe, moi? Ok. Et à quoi sert ce rocher? Plus, je crois que je suis déjà venu là. Non, peut-être pas, sinon j'aurais déjà allumé la... Tout près d'ici, il dort un secret, je crois. Après, je pense pas qu'il y ait autre chose en vrai. Ok, ça c'est cool. Oh, attention, tu viens de tuer ton pote, hein. Parce que nous, on n'aime pas trop les balances, hein. Parce que par en bas, là, il n'y a plus rien. Là, je crois que j'avais déjà fait le tour. Normalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de coquillage. (Cười)
Et du coup, il me manque toujours une mélodie, ce qui est assez bizarre. Ok. Un bal et neuf, c'est le top. Salut toi. Hé, hey, tu peux me voir, t'as de bons yeux. Ah non, t'as une loupe. Écoute, je ne suis pas un violent, je veux juste vivre en paix. La poisse. Bon, je te donne ça si tu gardes mon existence secrète. Ok, ça c'est cool. Ne dis à personne que tu m'as vu, promis. Ah, et aussi, va sur la plage Coco, tu y trouveras un ami que tu peux voir qu'avec la loupe. Ah ah. Donc il faudrait que j'aille sur la plage Coco. Qu'entends-je? Tu as apporté ma lettre à mon adorable monsieur White? C'est si serviable de ta part, je te remercie. Je t'offre ce merveilleux coquillage pour la peine. Merci. Ok, donc ça, c'est les coquillages que j'avais entendus et qui me gênaient. Ici, ils sont toujours en train de se peindre. Ah, que fais-tu? Serait-ce une loupe? Odeur, arrête, ça suffit de me regarder avec ça. Va-t'en. Je sais pas ce qu'il gêne dans ma loupe, mais... Connais-tu le coq volant? Il aurait vécu il y a longtemps dans le village des mouettes. Je me demande si c'est vrai. Oui, je connais le coq volant. Du coup, ma vraie question, c'est... C'était quoi, ça? Ah oui, il y avait une fontaine des fées, je crois. Faudrait que j'aille sur la plage, Coco. La plage Coco, le plus rapide pour y aller. Et pas un TP par ici? Si, là. Après, il me manque sûrement des... des cartes de cœur dans des mini-jeux que j'ai pas voulu pousser trop loin. Mais si j'ai eu la flemme de le faire à l'époque, j'aurais toujours la flemme maintenant. Du coup, sur la plage Coco, il y aurait un mec que je pourrais voir qu'avec la loupe. Ah bah elle est juste là. Non, pas du tout.
Ah, est-ce que ça serait une de ces... Tout à fait. Du coup là ça m'en fait combien? 40. Il y en a peut-être que 40, hein. Par contre, je vois pas du tout. Ah, dans cette baraque peut-être. As-tu déjà essayé de descendre les rapides? Oui. Alors, je suis désolé de te dire ça, mon petit, mais j'ai toujours pas croisé ton pote, hein. D'accord, la plage Coco, c'est que ça. Ou ça qu'on comprend aussi ça. Je le saurais bien parce que quand je change d'endroit, ça me le dit. A priori, là, je suis toujours sur la plage pour eux. Là. Ok, donc il y en a plus de 40. Bah, je sais pas où il est ton pote sur la plage Coco, mais à part s'il est censé être là, quel cas il faut que j'y aille. Je sais même plus comment on y va ici. Maintenant que j'ai ouvert l'œuf, tu me vends d'autres trucs? Toujours pas. Thank you.
Ça, c'était juste pour un quart de cœur. Ah non, c'était peut-être lui, son pote. Hein. Je sais pas si on est sur la plage Coco, là, mais si c'est ça, vu que je l'ai déjà vu. Mais non. Non mais... Jeu de merde. Du coup, petite épée. Putain, ça veut dire que... Il m'en manque vachement des coques. Des coquillages, coquillages. Voilà. Alors, maison à coquillages. Avec beaucoup plus. 1, 2, 3. Je vais te conférer un nouveau pouvoir. Oh! Vous avez obtenu l'épée de Coqueline, elle est plus puissante que la vôtre. N'oubliez pas de graver votre nom dessus. C'est tout? Ah, j'en ai juste chopé 3. C'est tout? J'en ai chopé que 3. Ah oui, je one shot. Du coup, ça j'y suis passé des tonnes de fois. Je vois pas où est-ce que vous pourrez me rester des trucs à faire parce que ça j'ai parcouru de long en large. Et j'ai tout chopé. Ça je crois que j'y suis repassé aussi depuis. Je vois pas où est-ce qu'il pourrait me manquer hein, par contre. À part dans des mini-jeux. Après, il y en a peut-être aussi dans le donjon. Dans le dernier des donjons. Ah, j'ai pas vu. C'est des mojos. Des arbres vivants, des arbres à tête. Ce qui me gêne le plus, c'est là où il semblerait y avoir un truc, mais en fait, il n'y a rien. Je retourne une dernière fois au village. Oui, d'accord. Ah, un gros poisson bleu. Il doit avoir quelque chose d'important celui-là, non? Là, je me demande si on peut vraiment le choper. Du coup, je vais essayer de le rapprocher le plus possible. Ça t'intéresse pas? Ah.
Pareil avec lui, le vert, peut-être qu'on peut le choper. Cette rubis. Un nouveau leurre. Leurre standard, il attirera plus facilement les poissons des eaux un peu plus profondes. Je t'offre un fragment de cœur. Ah! Oui, parce que ce gros poisson m'intrigue. Et je crois aussi que j'ai jamais ramassé un poisson aussi gros. Mais y a moyen de... Y a une technique ou c'est moi qui sais pas? Ah mais je change de leurre. Le leurre standard. Non, le leurre léger. Peut-être que je mouline pas quand il tire. Voilà, c'est ça le leurre standard, c'est celui que j'ai récupéré. Ok, j'ai compris. Un poisson vigoureux. Ouais, c'est le gros que je veux qu'il repop. Je pense qu'il faut que je parte et que je revienne. Où le gros poisson? Il est énorme. Il pèse lourd. 85 cm. On va essayer de pêcher le gros au fond. Voir si on peut ramener un poisson d'aussi loin. D'habitude, on n'y arrivait pas. Il est pas très gros. Oh,
Allez, faites venir un gros poisson. Sinon, je reset, hein. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Le gros bleu, je pense, c'était un truc rare. Qui avait mangé un truc important. Mais je dis peut-être une bêtise. Ah. À mon avis, c'est le truc le plus chiant à attraper du jeu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre devant lui, mais proche de nous. Mais alors? C'est la musique qui me dit quand ça va péter en fait. Par contre, ça va être long. Il fatigue. T'as intérêt d'en valoir la peine. Vous avez pêché le roi de l'étang. Ouah, c'est incroyable. Ta prise mesure 164,22 cm. C'est un colosse que tu nous as ramené là. Alors là, tu m'as soufflé. Je t'en offre 120 rubis. Tiens, on dirait qu'il a quelque chose dans la gueule. Oh, sérieux. Une carélite de merde. C'est la première fois que tu remontes une aussi grosse prise. En récompense, je t'offre une carélite. De la merde. Moi je voulais un vrai loot. Bon, j'avais déjà eu un quart de cœur, donc je pensais pas réavoir un quart de cœur. Mais... Merci, au revoir. Je pensais avoir un vrai drop et toi tu m'offres une carélite. Alors les poules s'énervent jamais dans ce monde? Mais bon, moi j'ai pas encore toutes les figurines, hein. Tu me fais chier, hein, marchand de merde. Parce
Parce que les Kyrielites, moi j'en ai un peu rien à foutre. Du coup, il me manque deux bouteilles, je pense, mais impossible de savoir d'où elles viennent. Là, il n'y avait rien au final. Il n'y a jamais rien eu ici, ici. Si, il y avait peut-être un coquillage. Pareil ici, pourquoi ils ont rien mis? On ne sait pas. Le péribou, j'y suis allé. Là, j'ai quasi tout fait aussi. On a. Ouais, non, normalement, j'ai tout fait. Hein. Moi je dis, il faut aller dans le donjon. Je lui ai donné le. J'ai récupéré un nouveau coquillage ou pas? Je me souviens plus. Non, juste un quart de cœur. Hein. Si, un coquillage? Oh, je sais plus. On va vérifier. Non, 41, oui, parce que j'avais chopé le 41e, du coup, je me suis dit qu'il n'y en avait pas que 41. Ah, si, je sais! Où est-ce que c'est? Là. Je sais, faut que j'utilise la baguette de feu pour faire évaporer l'eau, je pense. Bon, déjà, lui, on peut peut-être lui donner les carlites à la con. Hop, tiens ma carlite. Rien. Alors déjà, je vais reparler à madame. Pour qu'elle me redonne sa bénédiction. Et ensuite, je pense que je peux peut-être utiliser ma baguette de feu dans l'eau pour faire l'évaporer. Pas du tout. J'ai aucune idée de ce que je suis censé faire ça. J'en ai juste aucune idée quoi. Du coup, c'est parti pour commencer, parce qu'on le finira pas dans cette vidéo, ce donjon de ces morts. J'étais sûr qu'il allait avoir un nouveau donjon de toute manière. Ah! Ah, pas de carte. Intéressant. Toujours aller à droite.
Il n'y avait pas un endroit où ça me disait une... Qu'est-ce que je suis censé faire, moi? J'ai mal à la tête. Il y a une cabane de papy pas loin. Allô, oui, papy, je suis perdu. Allez, sérieux, je veux bien que ça soit un truc genre donjon mystère à la con, mais... Quand même pas pousser ces trucs, si. Tout n'est que mensonge, c'est ça? C'est ça que t'essayes de venir? Ou alors c'est qu'il y a... un vrai chemin à suivre. Est-ce que c'est normal que je tombe ou est-ce qu'il y a vraiment un chemin? Et c'est moi qui le trouve pas. Ça fait comme quand je pouvais pas le faire. C'est normal, ça? Je comprends rien et je vois pas d'indication visuelle ou sonore pour me dire où est-ce qu'il faudrait que j'aille. Puis sur Game Boy, je les vois mal indiquer le chemin. Non, c'est pas ça que je voulais faire.
Je vais voir papy, hein, parce que... Parce que là, moi, je vois pas. Papy, aide-moi! Va donc te renseigner à la bibliothèque. Ah oui, je crois que c'était à la bibliothèque qu'il y avait un chemin ou un truc à la con. Merci papa, papy, tu m'as été très utile. C'est même pas de l'ironie, il m'a vraiment été très utile. Putain, les collisions qui font un dégât, quoi. Je crois que c'est à la bibliothèque qu'il y avait un... Le pouvoir insoupçonné des couleurs, voulez-vous lire ce livre? Oui. Sous 5 pierres tombales. 3, 4, 5, 2, 1. 1 vers le bas, 2 vers la gauche. Attendez, il faut que je marque ça. Alors, 3, 4, 5... Deux. Un. Donc O pour H, droite pour droite, O pour H, bas pour bas. Et gauche pour gauche. Poussez-les de toutes vos forces et une nouvelle voie s'ouvrira à vous. Le pouvoir des couleurs emplira... L'habit de celui qui l'aura prouvé sa valeur. Qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire? Ok. Dans l'œuf, on tourne, tourne, tourne. Et merde. Droite, droite. Haut. Gauche. Haut. Gauche. Haut, haut. Droite, droite, haut. Gauche, haut. Gauche, haut, haut. Voilà qui est très énigmatique. En effet. Mais d'abord, direction le cimetière. Je crois qu'on en est pas loin, donc ça ira. Le cimetière, c'est juste au-dessus. Donc oui, on en est pas loin. Par contre, c'est quelle tombe? Il n'y en a aucune qui sont dans qui sont 5, quoi. C'est pas grave.
une en bas, deux à gauche, trois vers le haut, quatre à droite, cinq en haut. Bienvenue dans le temple des couleurs. Pour arriver jusqu'au bout, il te faudra de la poudre magique. Si tu en veux, dis-le-moi et je t'en vendrai. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le bec. Bon, on est parti sur un donjon qu'on connaît pas. Qui fait des trucs bizarres. Ah, je sais s'ils soient tous bleus du coup. Oui, parce qu'il faut qu'ils abordent un carré. Donc c'est un vrai donjon. Attends. Soit je me fais des idées, soit je peux péter ça. Serait-ce 100 rubis pour acheter des poudres? Peut-être. Bon, du coup... pas vraiment ce qu'on voulait faire à la base. Ok, une petite clé. Normalement, j'ai ma bénédiction. Ah. Faut l'amener sur les pics. Faux Cupide, tu requiers plus de puissance. Et un misérable tel que toi ne mérite pas que de couvrir dans cette tombe.
Ah non, j'ai du vrai feu. Meurs. Oh, maintenant je peux briser les pots avec mon... avec mon épée. C'est beaucoup plus simple. La carte du nombre. Ok. A priori cul-de-sac là. Petite clé. Donc ici, je suppose qu'il faut que des carrés. Et moi aussi les vieilles musiques des donjons, des vieux donjons ça. Ah oui, c'est la salle du boss, merde. Et merde. Je vais crever. Je vais crever bien avant la fin. Comment ça, je suis jamais allé en haut? Facile. Moi j'y vais un peu au pif, mais ça marche. J'ai besoin en fait du feu maintenant, je peux, j'ai la baguette pour faire du feu. Ne sous-estime pas ceux de notre espèce, je vais te prouver que nous ne sommes pas que du menu fretin. Je vais me transformer en ton pire cauchemar et ton épée ne me servira plus à rien. Euh...
Bah alors? Faut pas que je le fasse en une fois, hein, rassurez-moi. Non, ça a pas l'air. Mais c'est un peu vache que celui-là, on ait vraiment besoin de... d'utiliser la poudre. Ah, d'accord, c'était si simple. C'était si simple. Mais pourtant tellement compliqué. Oui, j'ai la baguette du boss. Enfin, la clé du boss. Ok. On va pouvoir finir ça et après... on pourra aller faire le vrai donjon, mais que maintenant on a la solution. Parce que je vous rappelle que ça c'est un donjon annexe. Même si je ne sais pas qui c'est. Ce donjon est à lui. C'est marrant ces trucs rebondissants. Comment ça? Ah. Il semblerait que je me sois perdu. Donc, quel est ce boss? Les deux squelettes sûrement. Comment ça? Aucun problème, aucun problème. Chromapion. Quasi sûr qu'on n'est pas censé le faire avec la baguette. Gagner du temps, gagner du temps. Ah mais c'est trop chaud! Ah c'est trop chaud du cul! Faut vraiment pas que je me fasse toucher quoi.
Je me suis fait toucher une fois, c'est déjà trop quoi. Et bon, c'est aussi parce que j'avais pas compris que je pouvais bloquer avec mon bouclier. Oh, j'ai bourré et c'est passé. Le chromapion est mort. Et c'était pas le boss de fin. Bah si, normalement c'était le boss de fin. Sois le bienvenu Link, héros de l'éveil. Nous te félicitons d'être parvenu jusqu'ici. Nous, reine des fées, reconnaissons ta valeur et t'accordons le pouvoir de la couleur. Si ce que tu désires est un pouvoir offensif, choisis le rouge. Si tu recherches un pouvoir défensif, choisis le bleu. Alors le bleu, je pense que c'est dégâts divisés par deux, mais du coup ça enlève le défi héroïque. Du coup on va juste taper plus fort. Tu désires donc la tunique rouge, ton choix est-il arrêté? Oui. Très bien, nous allons donc te faire don du pouvoir des couleurs. D'accord. Ferme les yeux. Vous obtenez la tunique rouge, vous sentez la puissance envelopper votre corps. À présent, nous allons te renvoyer à la surface. Non, je voulais battre vos seins. Pas besoin. Voilà, nous sommes donc Link Rouge. Et nous sommes morts. Ah mon dieu. Du coup, on va aller récupérer notre potion. On a durement mérité. C'est où exactement? Juste au-dessus. Suite à quoi on ira peut-être dans... Merci Monique. Tu as vu ma jolie tunique, Monique? Où est-ce qu'il y a un TP pas loin? En bas? Tout ça pour aller en haut, je suis juste à côté. T'es fini d'être feignant un peu? Je vais juste vérifier que j'ai bien chopé ce qu'il fallait. Du coup, là, techniquement, je dois taper, je pense, deux fois plus fort. Plus l'épée, deux fois plus fort. Donc, je dois taper quatre fois plus fort. Donc, les boss vont pas faire long feu. J'espère juste qu'ils ne me tapent pas quatre fois plus fort aussi. Donc, on a dit droite, droite, haut. C'est à partir de cette salle, je suppose. Droite. Droite. Haut. Gauche. Haut. Gauche. Haut. Haut.
J'ai mal noté le truc. J'ai mal noté le truc. Non, sérieux, j'ai mal noté le truc. Je suis si nul que ça. Je refuse de croire que j'ai mal noté le truc. C'est ma droite et ma gauche, mais faut le dire à personne. Hein. Donc c'est gauche, gauche. Oh. Droite. Oh. Droite. Oh oh. Mais c'est ce que j'avais noté, on est d'accord. Hein. Ah mon dieu. Je suis nul à ce point-là, quoi. Normalement, je suis pas dyslexique. Mais j'avoue que ne pas reconnaître sa gauche et sa droite dans un jeu, c'est pas mal. Et ça n'a rien à voir avec la dyslexie, hein, qu'on soit bien d'accord. Bref, on va vérifier quand même que c'est la bonne formule maintenant qu'on a vérifié que c'était bien la bonne formule. Donc, on avait dit, tout comme j'essayais de le faire précédemment, hein, bien sûr. Gauche. Gauche. Oh. Droite. Oh. Droite. Oh. Oh. Zbloop. Nous avons été engendrés par les cauchemars pour apporter la stabilité à ce monde clos qu'est le rêve. Nous avons plongé le poisson rêve dans un sommeil sans fin. S'il ne se réveille pas, l'île ne disparaîtra jamais. Et nous en sommes les dieux. Mais il a fallu que tu viennes contrecarrer nos plans. Ah, ah, tu ne nous battras jamais. Tu vas périr. C'est un boss rush? Ça serait marrant. Bon, je galérerais, mais si ça serait marrant. Tu ne me fais pas peur. Faut que je te brûle toi aussi, je pense. Oh.
brûle. C'était quoi la deuxième arme qu'on s'est fait? Quoi, il faut que je vienne te brûler au cac? Je crois que ça lui a fait des dégâts. Je suis pas sûr. Non, c'est juste une impression. Faut que je lui renvoie. Faut que je lui renvoie, c'est Ganonor. Ah, c'est malin ça. Ah mais je sais pas avant de le voir aussi. Comment je sais lequel tu vas tirer? Et voilà, j'ai eu peur. Là ça avait l'air un peu bleuté. Là aussi. C'est la couleur, c'est ça? Là, ça avait l'air ok. Maintenant, tu veux quoi? Aucune idée de ce que tu veux que je fasse contre celui-là. Tu veux que je fasse quoi? Je comprends pas là
Autant les autres, j'ai essayé et j'ai trouvé assez vite, autant là... Attends, mais s'il n'y a rien qui marche, faut pas quand même que je le brûle lui aussi. Mais... Tu veux que je fasse quoi exactement? Connard! Je suis désolé, mais c'est si proche, je vais pas m'en priver. Alors je pense que c'est fait exprès que ça soit si proche. Par contre, j'ai besoin de quoi pour le boss? Les bombes, non. J'ai besoin de quoi pour le battre? J'ai besoin de ça. C'est à peu près tout, je crois. J'ai peur d'en manquer, en fait. Putain, sérieux? En plus, il a pas l'air de faire si mal que ça, ce monstre. Par contre, il faut que je refasse le parcours. Oui. Ça va me revenir quand je vais le revoir, mais là j'ai oublié. C'était quoi? C'était ça aussi? Ah non, oui! Après, c'est les épées qu'il faut utiliser. Je vais le faire 4 fois, je crois. Raté. Pas grave. Ensuite, lui toucher la queue. Et maintenant, je sais pas. En vrai, je sais pas. Hein.
Mais non. Oh, quel con. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ça marche pas. Des bombes. Hein. Que je lui tire dans le front comme dans les autres. Non, ça a pas l'air de... J'ai aucune idée, je vais encore aller voir sur internet si ça continue. Ça, j'ai essayé. Allez, je vais réessayer, mais... Non. J'en ai aucune idée. Je vais être obligé d'aller regarder sur internet. Mais sérieux? J'ai tout essayé. Faut quand même pas que je le pelte. Je ne sais pas, c'est direction internet pour moi. Zelda. J'en ai rien à foutre, hein. Traitez-moi de faible si vous voulez. Boss final. Je veux juste savoir quel... arme, il faut que j'utilise. Première forme, deuxième forme, troisième forme, quatrième forme. Chargez votre épée, effectuez un saut, puis frappez-le pour lui infliger des dégâts. Sérieusement? C'est pas du tout intuitif en fait. Alors peut-être que sur le jeu original sur Game Boy ça l'était, mais actuellement j'ai jamais dû utiliser ça nulle part contre aucun boss. Donc en quoi j'aurais l'intuition en tant que joueur d'essayer ça? À part par frustration et par envie de dégommer ma Game Boy quoi. Non, je vous le demande hein. Donc je résume, ce qu'il faut faire. Ah,
Alors déjà, je sais pas si vous avez une idée de ce que ça demande comme exécution sur la manette. Mais donc, c'est B pour charger. Pour sauter, c'est B ou Y. Donc là, il faut mettre sur Y, parce qu'en fait, sinon, c'est pas faisable. Parce qu'en fait, sinon, il faut appuyer sur X en même temps. X qui est au-dessus, du coup. Donc absolument pas bien positionné. En plus de pas du tout être intuitif. Et j'ai plus de poudre. Donc ça sert à rien d'y aller. Faut que j'achète de la dropou. Parce que si j'ai pas de dropou, je peux pas brûler le boss. J'espère qu'il en vend, lui. Il n'en vend pas. C'est pas grave. On peut en récupérer ici. Ça ressemblait quand même beaucoup à Ganon, hein, le cochon. Hop. Donne-moi ta dropou. Allez, ferme-toi. Histoire de pas la laisser tomber. Faut que je regarde combien j'ai de bombes aussi. Des fois quand j'en ai besoin sur une phase après, mais je pense pas en vrai. Du coup en fait c'est poudre, épée, épée, épée. Alors j'aurais dû pu prendre je pense la tunique bleue pour prendre moins de dégâts, mais ça enlève tout l'intérêt du mode héroïque selon moi. Bon, on part sur une bonne vidéo de 2 heures avec 2 donjons dedans. Pourquoi pas hein. J'ai l'habitude de faire des vidéos longues en ce moment. D'ailleurs, la dernière que j'ai envoyée quand je vous parle là, elle fait 6 heures. Mais c'est parce que c'est une rediffusion de live. Pour Halloween. La première partie est peu ou pas intéressante si vous jouez pas au jeu. La deuxième, c'est la suite d'un jeu, donc. Que j'avais déjà commencé en vidéo, du coup, c'est cool. Je crois que je me suis pas trompé. Faut que je mette le saut quand même. Il faut que je mette le saut pour le début et après on verra. Thank you.
C'est plutôt joli. Putain, il fait 2 cœurs de dégâts. Ah, j'ai eu peur parce que j'ai vu du bleu dans son truc. Allez, dernier coup pour cette phase. Mal. Ah ouais. C'est très intuitif en effet. Alors si c'est une référence à un autre Zelda peut-être à la limite, mais le problème c'est que... Ok, donc je me nique moi-même en fait en ayant changé mes touches. Même comme ça, c'est pas facile de l'atteindre. Enfin, de l'atteindre sans se faire toucher surtout. Le prochain coup que je le touche, en plus, je vais mourir. Parce que je me fais toucher à chaque fois en le faisant. Ok, cette phase est finie. C'était quoi ça? Oh, intéressant. Ok. Il y en a combien des phases par contre? Je pense que je lui ferai plus mal avec l'arc, mais... Tu te rapproches beaucoup là. Nique-toi! Je vais quand même pas aller chercher des faits en plus, hein. Pas déconner. Bon,
Bon, après, je pense que les phases sont beaucoup plus courtes parce que j'ai pris buff de dégâts, mais... J'imagine même pas si t'as pas les buffs de dégâts, en fait. Parce que je préfère faire deux fois plus mal que me prendre moins de dégâts. Hein. Clairement, contre ce boss. Hein. Parce que des phases, elles sont chiantes. Du coup, on y retourne. Gauche. Gauche. Oh. Droite. Oh. Droite. Tout droit. Dommage parce que la première phase elle est simple. Et vraiment les deux dernières. J'ai pris trop de dégâts sur le serpent. Je savais pas ce qu'il craignait. En tout cas, Ganon, je vois que tu nous fais toujours chier même dans un rêve. Normalement, si je bouge pas, ou très peu. Je pense qu'il ne touche pas. Voilà, j'en étais sûr, t'allais me mettre une douille à un moment. Il n'y a aucun moyen de savoir lequel il va nous envoyer. Ok, on n'a pas perdu trop sur ce combat. Ok, on a réussi à lui mettre un coup dès le début, ce qui fait une phase en moins. Je crois que j'avais moyen de le toucher deux fois si j'avais bien joué. Ah, je vais mourir sur cette phase, quoi. Je me déteste. Voilà, Nick. Et j'ai pas réussi à le toucher en plus, du coup c'est vraiment pris un dégât gratos pour rien. Quoi? T'es sérieux? Ah mais c'est mort, hein. C'est juste mort, en fait. Ok, la baguette. Je crois qu'il peut m'attaquer que par là en fait, si je me mets là. Ok. Ah, en fait, il recule, c'est à cause de moi en fait qu'il
qui me baisait depuis le début. On peut lui mettre deux coups si on est réactif. Mais... Ah, fuck! Faut lui mettre combien de coups? C'est pas possible! C'est vraiment le genre de boss que je supporte pas, quoi. Si je veux mettre 10 000 coups sur un boss, je joue à Monster Hunter et puis c'est tout. J'ai compris le fonctionnement du boss, si à la limite il y avait des esquives, des trucs à faire. Mais non, je dois juste sauter en rythme. Oui, t'accélères ton rythme, et alors? Moi je peux pas sauter aussi vite, c'est normal, c'est le jeu qui est codé comme ça, c'est même pas moi qui joue mal. Putain, j'imagine même pas. Ah mais ça augmente à tous les coups que les dégâts de l'épée. Faut que j'essaye de taper dans son œil l'épée, si ça se trouve je peux. Parce que si je peux... je pense que je lui fais beaucoup plus mal avec l'épée qu'avec mon sort. Connerman. T'as un peu une voix de fille des fois, Link. T'es sûr que tu serais pas Linkette? Allez, c'est reparti. Puis cette intro super longue, on a compris, on te connaît. Voilà, on connaît tes patterns par cœur, youpi. Ah, dès la deuxième phase, t'as décidé de me mettre la douille cette fois. Sachant que je peux pas savoir la boule que t'envoies avant. C'est de l'aléatoire. Parce que j'ai perdu 4 PV sur cette phase. Voilà, merci. Ensuite, je te tape la queue. Et je crois que j'ai deux cures de plus que la dernière fois. Ok, on a pris un dégât, mais c'est pas grave. On va juste prier pour qu'il envoie pas son truc au même endroit où il dash. C'était une très bonne phase. Ensuite, la baguette. Yeah!
ensuite la phase avec les mains. C'est ok. On avait déjà perdu beaucoup plus de vie la dernière fois. Il se décale petit à petit. Cette île va disparaître. Notre monde va disparaître. Notre monde. Notre monde. Rien à foutre. Link, tu as vaincu Maléficieux. À présent, monte les escaliers. Tu as à peine galéré, mais tu es quand même un héros, je te le jure. Attends, j'ai l'impression que mon micro capte beaucoup trop en ce moment. Je m'excuse si je vous ai explosé les oreilles. Ouh, mon garçon, non, Maître Link, tu as anéanti les monstres. Tu as fait preuve de force, de sagesse et de courage, tel un véritable héros. Je suis l'un des esprits du poisson rêve. Mon rôle est de protéger son monde onirique quand il dort. Hélas, un jour, le cauchemar s'insinua dans son rêve, menaçant la paix de l'île. Mais toi, Maître Link, héros de l'éveil, tu devins notre espoir. J'ai toujours cru en toi. Je savais que tu vaincrais. Le cauchemar prouvant que tu abritais en toi le courage. Ouh, ouh. Merci, Maître Link. Ma tâche est à présent accomplie. Il me faut réintégrer le poisson rêve. Adieu. Ouh. Qu'il est moche. Dégueulasse. Je suis le poisson rêve. Long fut mon sommeil. Dans mes songes, un œuf apparut. Puis une île l'entoura, des gens, des animaux. Un monde était né. Mais un rêve a toujours une fin, c'est le destin. Quand je m'éveillerai, Cocolint disparaîtra. Toutefois, le souvenir de cette île perdurera dans nos cœurs en tant que réalité. Toi aussi, un jour, tu te souviendras. Peut-être est-ce ce souvenir qui est le véritable monde onirique. Merci. L'heure est venue, Link. Éveillons-nous ensemble. Joue la chanson de l'éveil. Non. Oh, je peux pas lui dire non. C'est quoi ce beat? Ça c'était Mario. Elle, je sais pas de quoi elle vient, je pense qu'elle vient juste de ce jeu-là. Oh non! Oh c'est tellement triste. Ils ont tous disparu.
Bon, ça avait pas le budget de faire de la 60 FPS, hein. Parce que là, je sais même pas si c'est du 12, hein. Et voilà, c'est la fin de ce Zelda. Fini de me gueuler dans les oreilles. Mais il est pas si mal ce petit Zelda. Après ouais, je peux comprendre quand on est grand enfant, qu'on a galéré un peu sur le jeu, qu'on l'aime bien. Et qu'on soit attaché au personnage un peu, parce que... Mais bon... Maintenant, on fait tellement mieux que... J'aurais du mal à dire... que c'est mon Zelda préféré, quoi. Parce que niveau personnage et ambiance, c'est... Bref. Il y a Majora's Mask, quoi. Ouais. C'était pas si mal. Je sais pas quoi vous dire, le jeu était bien, je pense pas faire du 100% ou... J'irai voir vite fait sur internet ce que ça fait si on meurt pas. Mais j'aurais pas le courage de refaire le jeu sans mourir. Même s'il est pas si long que ça, j'aurais pas le courage. Hein. Clairement pas. Faut pas déconner. Il y a très peu de Zelda de manière que je refais. Et pour les quarts de cœur, je vois pas ce que j'ai loupé. La musique, je suis curieux. J'irai peut-être voir ce que c'est la troisième musique que j'ai loupée, mais... Et aussi savoir ce que ça donne si on a tous les coquillages, mais je ferai sûrement pas de vidéo pour le dire. D'une, parce que ce serait du spoil vu que je le montre pas en vidéo. Et de deux, parce que j'aurai la flemme. Mais enfin, c'est un bon petit jeu. Je sais pas ce que ça sera le prochain jeu que je ferai sur ma chaîne. J'ai toujours Demon X Machina en cours, mais je suis pas sûr de le continuer. Parce que j'ai des bugs de capture dessus, ça m'est arrivé 2-3 fois. Et ça vient pas de ma carte capture, ça vient pas de la console. Ça vient pas de mon PC, ça vient du jeu. Du coup, c'est juste chiant en fait. C'est le jeu qui a des gros drops de FPS. Des désynchros, musique, enfin il y a des bugs de capture de son. C'est horrible. Bref. Ce petit Zelda est très bien. C'est la fin ou il y a un truc derrière la fin? Au pire, je peux recommencer de là. Oh, c'est vrai, j'aurais dû faire une sauvegarde avant le boss de fin. Ouais, si. 139 morts. C'est pas si mal. Du coup, ça nous remet où? Au tout début. Et si je charge ce fichier, du coup, ça fait quoi? Vérifier si ça faisait commencer sur les autres aussi. Ça me remet où? Ça me remet là, d'accord. Web. En plus, j'ai pas de nouvelles trucs comme ça. Et sûrement deux bouteilles que je sais pas où elles sont. Peut-être une dans les rapides et je crois pas qu'il y ait d'autres mini-jeux à part la pêche et les rapides. Je me souviens pas qu'il y en ait d'autres. Et il me manque un objet clé aussi. Ah oui, c'est quoi? Je vais aller voir ça tout de suite. Objet Zelda. Link Awakening. Liste des objets.
Objet de donjon, objet de quête, objet de soutien, objet mini-jeu. La plume, bracelet de force, botte de Pégase, palme, le grappin, le super bracelet, le bouclier reflet, le bâton de feu, la tunique rouge, la tunique bleue. Et c'est tout. Donc a priori j'ai tout. Les objets de quête, le bouclier, l'épée, la pelle, bombe, poudre magique, arc et flèche, ocarina. Donc c'est tout. Objet de soutien, le leurre léger, le leurre standard. Ah, il y a un leurre lourd. Village des mouettes dès le début. Ah, il faut que je pêche un calamar, d'accord. Le premier bocal avec la pêche, le deuxième bocal avec l'esprit qu'on a aidé. Le troisième bocal. Ah, faut terminer les donjons d'Igor. Ah bah c'est de la merde. Ah! Mais j'y suis passé ici. Ah oui, là, d'accord. Ouais, d'accord. Donc je peux vous dire qu'il y a une arme que je n'avais pas, du coup. Ok, ça permet d'avoir un item... comme ça, en plus. Ok. Il y a bien un troisième bocal, du coup. Les garde-cœur, le baume secret chez Monique. Les glands de défense, les fragments de puissance, le détecteur de coquillages, l'épée de Cocolint. Quand on a 60 coquillages. Ah, bah je peux vous dire ce que c'est les 50 coquillages parce que c'est de la merde. Hein. C'est ça. Voilà. Donc c'est de la grosse merde. En gros, j'ai eu tout ce qui était intéressant. Les mini-jeux, du coup, les carélites. Et vu que je m'y suis pas intéressé, j'ai pas la troisième bouteille. Coquillages, figurines d'ennemis. Alors ça m'intéresse parce que c'est quoi du coup la dernière figurine que j'ai pas eue. Plante piranha, Poki. Ah il me manque que le toutou. Ah bon on va faire le toutou et on va se quitter là-dessus. Parce qu'apparemment le toutou de ce qu'ils disent il apparaît que quand on a fini le jeu en fait, donc je pouvais pas l'avoir avant. Ce qui semble logique, vu que c'était à chaque fois qu'on avançait dans le jeu. Eh ben, cool! Ça veut dire que j'ai quasiment tout fait. Enfin, plutôt, j'ai fait tout ce qui était intéressant. Et ce que je n'ai pas fait ne m'intéressait pas. Parce qu'avoir une troisième bouteille en plus, au final, on s'en fiche. Est-ce que j'ai eu besoin des bouteilles pour finir le jeu? Non? Alors deux souvenirs. Ah non.
Oh non, tu m'as bloqué. Méchant chien. En plus, maintenant, il bouge. Du coup, là, normalement, il devrait pas pouvoir sortir. J'ai dit méchant chien. Après, il est bien marrant. Le toutou. C'est le toutou de qui? C'est le toutou de tous les toutous. Ce qui apparemment ne sert absolument à rien, c'est juste de la collection. Sérieux? Super, je paierai que 5 rubis. Dommage qu'il n'y ait plus rien d'intéressant. Je vérifie juste s'il y avait un truc là. Il y a une carélite, mais c'est de la merde, donc on s'en fiche. Salut toutou. Je vais offrir un deuxième toutou à ta mère. Et voilà. Quand même, il fait des rêves bizarres, hein, ce poisson. Parce que pour mélanger Mario comme ça, les dragons un peu chelous qu'on dirait du Dragon Quest... Bref, pourquoi pas, hein. Et Marine, c'est qui pour toi? Merci pour ton aide, Link. Tu es génial. Tout à l'heure, j'ai fait part d'un vœu au poisson rêve. Comment? Tu veux savoir ce que je lui ai demandé? Eh bien, c'est un secret. C'est un secret, hein. Adieu, Marine. Ça va que t'es dans un rêve, hein. Les poules dans celui-là, c'est vraiment dommage. C'est pas une autre poule qui traîne. Est-ce qu'il faut que je fasse peur à toutes les poules pour qu'elles s'énervent? Bonjour ma poule. Oui, c'est l'attaque des poules. Oui, je l'ai fait. J'ai énervé les poules. Comment ça, t'es pas énervé, toi? Non, c'est l'attaque des poules sauvages. C'est fini? Du coup, je peux vous montrer le reste aussi, hein, tant qu'on y est. Ce que j'ai loupé dans ma vidéo, dans mon jeu. Voilà, ici. Paf! Et en fait, quant à la loupe,
Il y a un marchand. Et ce marchand, tu peux lui échanger un objet en fait. Et quel objet lui échanger? Bah, le moins utile. Voilà. Et donc on obtient le boomerang. Et la carotte, c'est que si tu veux récupérer ton objet, tu dois payer 300 rubis. Voilà. Oh, ça tue ces trucs. C'est assez fort, hein. Parce que je les tue pas avec mon épée, moi. Oh, c'est pété. Et en plus, quand ça revient, ça refait des dégâts. C'est trop bien. C'est un vrai boomerang. Est-ce que ça ramasse les... Hein? Est-ce que ça ramasse les rubis? J'ai l'impression que ça... Ah oui, ça ramasse les rubis. C'est trop bien. Ok, est-ce que papy a quelque chose à nous dire pour conclure cette belle histoire? Je suis de tout cœur avec toi, vas-y mon garçon. Je suis sûr que tu auras même le courage de me le dire en face. N'est-ce pas papy? Comment dire? Téléphone à l'extérieur. Pépé le ramolo n'a pas l'air d'être un grand causeur. Immunisé au boomerang? Tu triches, Pépé, c'est pas bien. Pépé n'existe pas, c'est un fantôme, c'est pour ça qu'on peut lui parler qu'au téléphone. Parce que les fantômes, ils arrivent à parler par téléphone. Mais c'est tous des fantômes en fait. Y'a que les animaux qui sont vrais. C'est tous les animaux qu'il a mangés. Mais elle aussi. Je le savais. Il y avait quelque chose qui tournait pas rond ici. Bon, sur ce, on va s'arrêter là peut-être. J'espère que ce jeu vous aura plu. Moi en tout cas, c'était une bonne surprise. Je vous donne rendez-vous dans un prochain jeu. Je ne sais pas encore ce que je ferai. En ce moment, je fais pas mal de jeux mobiles, mais je sais pas si ça vous intéresserait de faire du jeu mobile sur un format d'une heure, genre des découvertes. Que j'en teste pas mal, en fait. Et je vois qu'en 2-3 heures, on fait vite le tour des jeux mobiles, quoi. Enfin, on sait vite s'ils nous intéressent ou pas. Je sais que j'en ai essayé pas mal. Enfin, en général, au bout d'une journée, je sais si le jeu me plaît ou pas, si je le désinstalle ou pas, quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine pour un nouveau jeu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.